la team, les frères, les sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit vous, inch'Allah. J'espère que tout va bien, inch'Allah, au début de ce week-end. J'espère que tout va bien, vous avez bien dormi, en bonne santé, vous avez la nourriture abondante pour vous nourrir et remplir bien votre estomac et ne pas être aussi mince que moi. Que là, c'est... J'ai perdu même la masse musculaire tellement je mange même plus de viande. C'est vrai, c'est... Je rigole, mais c'est pas bien là. C'est pas sérieux, moi, je suis pas un hamster, quoi. On a besoin de manger de la viande, on est des êtres humains, bordel. En tout cas, j'espère que tout se passe bien et merci comme d'habitude aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, qui donnent la force, la puissance et qui me respectent tout simplement, qui m'insultent pas de je sais pas quoi. Parce que les gens qui viennent pour m'insulter gratuitement alors qu'ils me connaissent pas, c'est quoi le délire? À part jouer mal sur internet, vous êtes rien, vous êtes des victimes de voyage, vous êtes fait racketter votre goûter par un robot ou c'est comment? Moi je suis un homme normal, hein. Mais faites pas chier comme on dit, sinon un jour ou l'autre vous paierez l'addition. En tout cas, j'allais vous dire un truc tout con au cas où, si vous aimez bien la streetwear classique, pas trop cher, moi, je suis un mec qui n'a pas beaucoup d'argent, malheureusement, c'est comme ça. Ça, je l'ai acheté, j'ai payé 8 euros, bref, c'est un site où je vais souvent en ce moment, que je regarde quand j'ai un peu de thunes, qui s'appelle Bohoman, B-2-O-H-2-O-M-A-N, il y a une application, bref, c'est un site anglais. Et c'est une marque tout simple. Après, il y a des vêtements qui sont vraiment pas dans mon délire, mais c'est dur à trouver les bons trucs, mais moi, je suis un champion des bonnes affaires. Là, je sais pas si c'est encore à ce truc-là. Pour 8 euros, t'as deux suites. C'est pas un suite révolutionnaire. La coupe, elle est très sobre. Hein. J'ai payé 8 euros pour deux suites, donc j'en ai acheté 4. On verra ce que j'en. Je vais peut-être refourguer notre paquet. On verra. Et sur ce site-là, il y a plein de promotions. Si vous voulez, en fait, il y a des promotions entre moins 50 et 70% en général toute l'année. Il y en a tout le temps des promotions. Après, il faut trouver si vous aimez bien votre style. Hein. Il y a des t-shirts, il y a aussi des jeans, mais c'est rare que je vois des jeans qui m'intéressent moi-même. C'est rare que je mets des jeans déjà. Des fois, je mets que des survêtements. Il y a des suites, des pantalons, bref. Il y a aussi des chaussures, mais très peu. Mais il y a pas mal de trucs, il y a même des casquettes. Pour 9 euros, vous avez des casquettes sobres, classiques quoi. Très urbain, très classique, c'est pas tape à l'œil en fait. Moi j'aime le classique, moi je suis très habillé noir, on va pas se mentir. Après. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur la crime de l'époque qui s'appelle Gébal. Le clip Gébal, bien sûr. Let's go. Ah, on a fait un peu de pub, hein, on va dire. Hein. Moi je gagne pas d'argent, mais bon. Ça fait plaisir de voir un truc où il y a des trucs pas chers. Si ça vous dit, bah allez voir. Hein. Franchement, 8 euros. On veut quoi de plus quoi? 8 euros! 8 euros de suite, 2, c'est pas un seul, 2, même pas le prix d'un paquet de clopes, ça merde, ça existe pas en 2021 frère, là, ça existe pas. Mais la coupe elle est vraiment très basique, hein. On va pas se mentir, je suis pas bluffé de la manche. Moi j'aime bien les manches avec des bonnes coupes quoi, d'habitude j'en ai des meilleures, mais bon, c'est comme ça, c'est le prix. Hein. Franchement, la crime, il a fait beaucoup de trucs de flow et tout. Ce flow-là de l'époque, il me manque. Que maintenant, il est très en mode, on dirait, de rockstar. Je m'appelle la crime, j'avais du 9-4. Bref, on aime, on est d'accord. Hein. Mais tu vois, des fois, ça me manque, ça. J'aimerais bien dans les prochains albums, mixtapes, ce qu'on veut. J'espère qu'il va refaire 2-3 sons dans ce style-là, on va dire. J'aimerais bien le timbre de la voix comme ça. Moi, j'aime bien. C'est posé, et tu sens ce ressenti, cette émotion, la douleur, le ressenti, tu vois. Que le rap, comme il fait maintenant, c'est étonnant qu'il arrive buzzé. Après, on le sait, c'est un très bon rappeur, mais. En 2021, avoir à faire la grosse voix, c'est très dur de cartonner. Moi, je sais de quoi je parle. En tout cas, bref. La team Lacrim, j'espère qu'elle sera là. Faites-moi péter le score, faites-moi plaisir. La vidéo d'hier que j'ai fait là, je suis presque à 300 vues en 22 heures. Hein. Franchement, merci à vous, la famille. Voilà. C'est un record. En 22 heures, presque 300 vues, je crois. Là, peut-être c'est à 300 maintenant. On va voir rien. Ouais, c'est pour ça que je veux gagner du bif, hein. Mais ça fait plaisir. C'est son, c'est dingue. Il fait ressasser, il fait réfléchir sur ton vécu, sur ton histoire. Et il fait mal au cœur en même temps quand il dit j'ai mal. C'est, ouais, ça fait mal quoi, tu vois. J'ai le même état d'esprit que lui en fait. Vice versa quoi. Karim. Ah, dites-moi, il a quel âge la crime, je m'en souviens plus. Il n'y a pas 35 ans lui au cas où. Sans s'il est plus jeune que moi, ça m'intrigue. Moi j'ai 37 ans et le 24 août, Inch'Allah, j'ai 38 ans, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est marrant, moi je me sens vieux, tu vois ce que je veux dire les gens. Et quand je leur dis l'âge, il y a une femme tout à l'heure, elle me dit non, ça moi je fais toujours plus jeune, moi j'en suis honoré comme ça, ça me touche. Machallah. Voilà, mais pourtant regardez, calme ici hein. Et j'ai pas honte de ça, ça fait 17 ans que je rase mon crâne.
Ça fait pas 17 ans que j'ai la calvitie, hein, faut pas déconner. Les cheveux, je les supporte pas, moi. Les anecdotes de la vie, voilà. Je rase mon crâne moi-même. Pas de nommer, pas de nommer. C'est dingue, les sons comme ça, voilà. Prendre 3 millions de vues en 5 ans. C'est une belle vue, des belles vues. Un truc tout bête, la famille. Dites-moi de la team dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce flow de l'époque? Et ça vous manque pas ce style un peu chansonnette, quoi? Franchement, ça change, hein. Des remords sur mon passé, la vérité. Je suis pas mauvais. On fait des trucs de fou. Ah, c'est vrai, ça, Star Format. Alors, on nous fait faire des trucs de fou. Par contre, je déteste les trucs comme ça. Ils sont trop grands, wesh. C'est quoi? Ils veulent les trangler avec ou quoi? C'est la mode, hein. Et de base, je suis pas un mec qui est fan de suites avec des capuches, hein. Parce que j'en trouve plus des suites sobres de l'époque. Moi, je suis très streetwear, mais sans capuche de base. À l'époque, je mettais beaucoup les suites Comet. Mafia Cafri et tout, tu vois. Bref, c'est comme ça. On peut même plus choisir les vêtements qu'on veut, en fait. Ça m'énerve. Ça me casse la tête. Même les couleurs, on les choisit même plus. Au bout d'acheter un vêtement, il est noir, ni plus ni moins. C'est comme ça. Ah, il finit le son. Dites-moi ce que vous en pensez de ce son d'époque, ce flow, sa technique, son texte si simple et sobre et à la fois excellent, qui fait mal au cœur en même temps. Franchement, ça, c'est triste, quoi. En tout cas, ça me touche d'écouter ce son avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez sur vos réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau sur ma vidéo, mettez une cloche, activez la cloche, abonnez-vous, ça vous coûte 0 centime d'euro, ça me donne la force et ça me donne le sourire. Quoi de mieux de donner le sourire à une personne que vous ne connaissez pas? Moi, quand je peux donner le sourire à une personne, je suis trop content. Moi, quand il y a une personne qui me laisse passer en crise devant elle, je dis merci, elle est contente. C'est des petits détails, hein. Et c'est devenu rare. Moi, je peux vous dire que... Une fois tous les 3 ans, on me laisse passer en caisse. Une fois tous les 3 ans et encore, je suis même pas sûr. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché. Tu vois, c'est des détails tout simples de la vie. Les gens, quand on peut tendre la main à une personne, on le fait. Mais si vous ne le faites pas, ça c'est votre problème avec votre propre état d'esprit, comme on dit. On paye toujours ce qu'on fait dans la vie. Nos erreurs, nos péchés, nos défaites. Et voilà, le poids des mots sur une foutue balance. Donc en tout cas, merci à vous de tout mon cœur. Je le dis encore, merci à vous. Force, paix sur vous et vos proches. Inch'Allah, que la santé soit. Et à la prochaine, sur la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ciao.